Dans le centre-ville de Chambéry, en ciblant principalement trois banques, la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP Paribas, pour leur pratique d'évasion fiscale et le fait qu'avec cet argent et d'autres, ils financent des projets climaticides au lieu de financer la transition écologique. Voilà. Et nous avons profité du 15 septembre, qui est les 10 ans de la chute de Lehman Brothers, pour fêter dignement cette malheureuse et épouvantable crise financière. C'est les 60 milliards d'euros qui sont reconnus comme... s'évadant d'Europe, de France, pardon, hein, c'est l'évasion fiscale en France qui est estimée à 60 à 80 milliards. Et 100 milliards, c'est ce que les banques financent au niveau des énergies fossiles uniquement, actuellement. Il semble quand même que la population commence à prendre conscience de l'urgence climatique et de l'urgence aussi qu'il y a à reprendre le pouvoir sur les banques par rapport à leurs pratiques complètement climaticides et voire même qui mènent la planète dans le mur.